546. Madame Goulet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Madame la Présidente, mes chers collègues. Je vous propose ici une nouvelle écriture de l'amendement que j'avais proposé en commission sur le parrainage, car pour moi c'est un sujet important. Donc ici, je vous propose en fait de regarder sur le caractère total ou partiel du caractère de l'accueil pour une mesure basée sur l'assistance éducative. Pourquoi ? Parce que moi, ils s'appelaient Michel et Bernard, ils me prenaient un week-end sur deux, et ils font encore partie de ma vie près de 40 ans après, et c'est très important pour les enfants d'avoir ce type de pilier, d'avoir des personnes qui peuvent leur emmener d'autres horizons, d'avoir des personnes envers qui ils peuvent se développer affectivement et avoir un caractère de stabilité. Et puis, c'était également un répit pour certaines personnes, et ça peut être effectivement un répit pour les assistantes familiales ou pour les tiers-lieux de confiance ou même pour les sortir du foyer. Donc c'est pour moi une solution de souplesse pour permettre effectivement au juge, mais aussi au président du conseil départemental, la liberté de pouvoir confier partiellement un enfant à quelqu'un d'autre et ainsi avoir une gradation et que l'enfant sache qu'il y aura toujours quelqu'un pour lui.